Action. Comment elle va, Madame Cooper? La nuit a été mouvementée, mais on a pu stabiliser la situation ce matin. Ah oui? Oui. Et une journée en vie de plus pour elle. Puis toi? Une nuit plutôt calme aux urgences. T'appelles ça calme? Ce qui serait bien, c'est qu'il n'y aurait pas juste tout cas d'urgence, en effet. Bon, j'ai fini ma garde, je vais aller me reposer. Ok, bon, pas pour vrai. T'embête pas. Il s'amuse comme ça depuis hier soir. Mais tu as vu l'état du salon? Je dois reviser, moi. Faites comme si je ne suis pas là. Ouais, merci. She's out. Merci! Allô? Allô? Nouveau ici? Oui. Une pause café avant de rentrer à la maison. Daniel Agbe. Jilaka. Enchanté. Enchanté. Ivoirien? Oui. Et vous? Camerounais. Ah, ok. Le continent, hein? Ben oui, bien sûr. Allô? Je suis un PD2. Comment ça? Mon père est Camerounais, ma mère est Ivoirienne. D'où le nom Aka. Mais c'est que tu es du continent. Débit ou crédit? Ah, débit. Voilà. Merci. Alex? Comme d'hab. Alex? Oui. Je t'ai déjà dit que t'es mignonne. Arrête d'essayer de me séduire, Daniel.
Je sais exactement qu'est-ce qui va se passer. Je vais accepter tes avances, on va passer une nuit torride à deux, puis là, le lendemain, tu vas partir avant le lever du soleil, puis là, je vais essayer de t'appeler toute la journée pour avoir une nuit comme ça de nouveau, et puis c'est le répondeur qui va me répondre. Fait que, comme d'habitude. Il y a femme qu'il faut pas baratiner de... Non, mon cher. C'était un plaisir de vous rencontrer. Bonne journée. Bonjour, merci. Ah, tu es rentrée? Je veux bien que tu fasses des galipettes, mais tu peux au moins respecter l'espace commun et remettre de l'ordre. Ah ouais, Judy, tu veux pas faire ton air de grand-mère là? Tu trouves ça normal de laisser tes dessous au salon? Imagine, j'étais rentrée avec quelqu'un. Quelqu'un? Comme qui? Genre, une collègue. Si ce n'est que ça, c'est pas grave, hein. Puis arrête de me faire la leçon, tu veux bien. Et qui a mangé ma glace? C'est sans doute Luc. Pour reprendre un peu de force. Chérie, c'est moi. Ah, chérie, déjà de retour? Oui. Ah, là. Tu allais fatigué, chérie. Je t'ai dit. Ah oui. Une semaine comme les autres. Des jours entiers sur la route. Ah. Et alors, cette semaine? C'est quand tu te poses que toute la fatigue te tombe dessus. Yako, chérie, ça va aller. Je te prépare quelque chose? Non, pas tout de suite. J'ai pris un café sur la route. Dis, tu as fait des soins encore ces jours? Ah oui, deux séances. Attends, je t'apporte les factures. Non, pas la peine. Je te fais confiance. Toi aussi. Ah non, non, non. Il faut que tu vois ça, c'est important. Aïe. Ah, quand même. Mais Alice, ça coûte quand même un bras tes séances de kiné, là. Tu les feras pendant combien de temps encore? Je ne sais pas. Tu es sûr qu'il n'y a pas un autre moyen? Un autre traitement? Pour l'instant, c'est ce qu'il me faut. Et ça me soulage vraiment. Faut quand même voir ça. C'est vrai que je rapporte pas mal d'argent, mais c'est la seule source de revenus. Si on a une situation compliquée, ça peut vite virer au cauchemar. J'ai fait quoi alors? J'arrête avec ce traitement. Est-ce que j'ai demandé ça? Non, ça va. Ne prends pas mal. Je sais tous les efforts que tu fais. Je te remercie pour ces beaux enfants. Merci d'être là. De rien. Hey! Les enfants, ça va? Oui, c'est ce que j'ai fait. Mais ça, par contre, je suis pas au courant.
De toute façon, j'ai les factures et je vous les fournis demain. Ok, bonne journée. Ça va, et toi Alex? Ouais, je sors comme d'habitude? Oui, comme d'habitude. Ok, ça sera pas long. Alright. Voilà, bon appétit. Merci. Dis Alex. Ouais. L'autre jour, il y avait une fille ici, je sais pas si tu vois. Il y a plein de filles qui rentrent ici à chaque jour. Une africaine, elle est du genre... C'est possible, mais je connais pas son nom. Ok, je vois. Quoi, t'es touché là? Hmm? Ça se trouve, oui. Hmm. Le pauvre. Courage, hein? Courage à elle aussi, parce qu'elle sait pas à quoi s'attendre avec toi. Puis dire que l'autre jour, j'étais dans ton viseur. C'est pas ça, Alex. Je t'aime vraiment, tu sais. C'est juste que je t'aime comme une sœur, quoi. Mais j'ai pas dit le contraire, hein, mon frère chéri. J'avoue que t'as de la patience de faire des choses aussi compliquées. C'est pour ça que je suis venue ici. Il n'y a pas une filière aussi pointue au pays. En tout cas, j'admire ton courage. À seulement quoi? 20 ans? 19 ans. En plus, tu quittes ton pays pour venir étudier si loin. Je n'ai pas droit à l'erreur. Mes parents se saignent aux quatre veines pour que j'étudie. Tu n'as même plus de vie sociale. Dis-moi, as-tu un petit copain? Et toi? Bah, depuis un moment, rien. Tu blagues. Regarde comment tu es belle. Nous ne sommes pas dans les rues de Douala ici, où n'importe quel homme peut te siffler bêtement ou te draguer lourdement. Quoique... Quoi que quoi? J'ai rencontré un gars au café l'autre jour. Il m'a fait signe. Il était pas mal. Ah oui. Ah oui. Jean, arrêtez!
Oui, papa. Je te rappelle, je te rappelle. Si tu veux, je peux les emmener au parc. Non, pas besoin. Non, repose-toi, je vais le faire. Tu es sûr? Oui. Et en plus, ça me fera du bien. D'accord. School bus. School bus. On y va. Bon, on fait bisous à papa. Voilà. Allez-y, bien. Hey, ça va? Ça allait. On dirait pas? Si, si. Mola, si tu as quelque chose sur le cœur, tu peux parler. Quoi? Tu veux t'étouffer avec? Yafoy, je peux gérer. Tout comme c'est la crise cardiaque qui peut te gérer. Ok. Mais si tu voyais la tête que tu fais, on dirait un fantôme. Bonne journée. Attends. Il n'y a rien de plus corrosif que l'absence de confiance dans un couple. Je ne suis pas encore marié, mais j'imagine. Tu te doutes de ta femme? J'en suis surtout douté de moi-même. J'ai récemment découvert quelque chose d'inquiétant sur elle. J'ai peur d'avoir une réaction disproportionnée. Mais j'ai aussi peur de me tromper. Vois-tu, la première chose à faire, c'est de discuter avec elle. Pas pour la juger, mais pour la comprendre. Tu as raison. Je vais prendre un café chez Imperial. Un café, ça te dit? Oui, c'est pas de refus. Merci. Ça pourrait te changer des idées. Tout à fait.
Ce serait-tu pas elle, on voit? Si. Ben, si elle pleure à cause de toi, là. Ok. Je vais prendre du chicken curry and rice. Okay. Yeah. C'est tout? Oui, ce serait tout à emporter. À emporter? Ok. Merci. Voilà. Chérie, je suis que ton traitement te soulage. Ah oui, beaucoup. Mais s'il y a un truc dont tu veux qu'on parle, n'hésite pas. Chérie, tu sais, je te cache rien. Je sais. Mais si tu avais un truc à me dire, tu le ferais? Pourquoi tu dis ça? Gilles, arrête, tu m'effraies. Je te trouve mystérieux. Mais tu sais, l'argent que je travaille, c'est pour toi et moi. Et les enfants, bien sûr. Donc, si tu as un truc à me demander, n'hésite pas. Ok? Chérie. Tu sais, je n'ai pas de secret pour toi. Je m'efforce à gérer au mieux ce que tu me donnes et crois-moi, je suis satisfaite et heureuse. Ça brûle! Ah. Mademoiselle, désolé de vous accoster comme ça. En fait, je ne voudrais pas que vous ayez l'air. Je ne voudrais pas avoir l'air de vous harceler, mais du moins. Excusez-moi, mais. Votre téléphone. Daniel. Tu peux rentrer maintenant, sinon tu vas attraper froid. Dame de 15. Tu sais, la dame dans la chambre 60. Oui. Ah, et. Oui. Tu sais, t'as beau faire ton travail avec détachement, mais un décès, ça reste un décès. Mais on est des humains après tout. Mais surtout qu'on a affaire à quelqu'un comme elle. Elle était tellement pleine de vie. De ce point de vue-là, elle a réussi sa mission. Même ses derniers mots,
elle a réussi à arracher un sourire à tout le monde. Oui. Ah, tantôt. Allô? Bonjour Judith, c'est Daniel. Oh Daniel. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ça va. J'imagine que tu es occupée. Je suis désolée de te déranger. Non. Bah, si. Je suis au boulot, c'est vrai. Je pensais à toi et je me demandais, est-ce que tu aurais un peu de temps à m'accorder aujourd'hui? Ça dépend. Je termine dans quelques heures. Ça tombe bien. Ben, quand tu as un peu de temps, tu me fais signe et puis on se prend un rendez-vous, ok? Ok, ça marche. Ça va comme tu veux? Oui. Tu t'en sors? Comme un gant. Hé, hey, ça va? Oui, pourquoi ça n'irait pas? Oh, papa, t'as cassé le plat! Ben, je te trouve un peu patraque. C'est rien. Je me sens un peu étiquiti, mais c'est rien. On dirait que ton dernier voyage t'a un peu secoué, mon lapin. On se fait vieux. Et le corps supporte moins certaines choses. Ah, je vois. Un bon massage te ferait du bien. Non, je vais plutôt aller marcher un peu et prendre de l'air. Ah oui, faut t'aérer l'esprit, mon chéri. Ça te ferait du bien. Tu sors? Ouais, ouais. Besoin d'un coup de main? Oui, un peu. Bien. Merci. T'es maquillée, parfumée. Tu t'habilles différemment. Il y a du garçon dans l'air. Ou bien? Bof, c'est rien, c'est juste un gars comme ça. Juste un gars comme ça. Et tu as sorti tous les atouts. Regarde-toi. Moulée comme tu es là. Je suis un gars, je ne te laisse même pas la chance de me dire non. Ça c'est trop. C'est moi qui ne laisserai pas la chance de faire autrement. Sinon c'est sérieux. Bah, c'est un gars que j'ai rencontré l'autre jour au café. Il m'a fait signe. Et là, il m'invite. Ok. Wait, attends, je te rappelle. Whoa! Who's that girl? I want her right now. Wait. Où est passé mon infirmière super coincée? Attends. Rendez-vous galant. Ok, je vois. Écoute, je vais te donner des préservatifs. On ne sait jamais. Arrête, c'est juste un rendez-vous au café. Oh, arrête, ma belle. Si tu savais le nom d'endroit où je me suis envoyée en l'air, tu trouverais les toilettes du café très confortables. Tiens. Oui, allô? Allô, Taoré? C'est Aka. Je te réveille? Non,
je viens d'une balade sur le pont Ado avec ma femme. Alors, je rentre dormir, c'est fait un peu tard ici. Ah oui, le décalage horaire. Désolé. Non, mais pas grave. Pas grave. Mais dis-moi, il y a quoi de urgent? Je te sens un peu crispé dans la voix. J'ai un service à te demander. C'est important. Mm-hmm. C'est au sujet d'Alice, ma femme. Non, vas-y, dis-moi, je t'écoute. Hey, sweetie. Ma petite infirmière décroissée. Alors, raconte-nous. Est-ce que vous avez déjà... Tu vois ce que je veux dire? Montre-lui ce que vaut une camerounaise, là. Va la sentir, la chaîne. Allez, bisous. Je suis en retard comme tout bon Camerounais qui se respecte. Et comme tout bon compatriote qui se comporte, tu as une excuse. Et je pèse le mot. Désolé. Merci. J'ai quelques soucis au travail en ce moment. C'est ça qui me prend la tête. C'est grave. Ma'am, sir, are you ready to order? Ok. Ok. Oh, les prises de tête, ça arrive toujours. Tu sais, c'est quand tu sors à l'intérieur de tout ça que tu te rends compte de la gravité de ce que tu as vécu. Sinon... Je suis désolée de t'inviter ici. Ah non, c'est pas grave. En tout cas, on verra. Enjoy. Pourquoi tu me fixes comme ça? J'ai très envie de graver les moindres traits de ton visage dans mon âme. Tu es tellement belle. Merci. Ça quoi? Toi aussi. J'ai pas passé la matinée à te préparer pour rien. Je veux tous les détails. Il arrive en retard. On a passé un moment à... discuter. Et après, nous sommes sortis. On a roulé un moment. Waouh! Il est si plaisant que ça. En tout cas, je ne me suis pas ennuyée. J'ai même pas vu le temps passer. Il est comment? Mignon. En tout cas, physiquement, il n'est pas mal. Pas mal, ça veut dire qu'il est canon. On ne va quand même pas te croire sur parole. On doit juger sur pièce. N'y compte même pas. Mais elle a raison. Si ça se trouve, c'est un psychopathe. Vois même un chien en série. Et avec toutes les étoiles qui brillent dans tes yeux, tu n'y verrais rien. Elle a raison. Alors, tu le fais venir passer au scanner? Thank you.
Action. Oui. Sois bienvenue, merci, tonton. Merci bien. Attends. Fatou, c'est toi? Aïe, tonton, c'est moi. Hey, Fatou. Mais tu es devenue femme. Mais si c'était avant, Fatou, wallahi, on t'a déjà mariée. Hé, hey, tonton. Mais tu as trop grandi. Toi, mais regarde, Fatou. Ça va un peu? Ça va, tonton. Dieu merci. Non, 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 Fatou, c'est bon. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Tu dis pas. Non, non, non. Je passais dans le quartier, là. Et il me suis rappelé que le vieux habite ici. Je voulais juste le saluer un peu. Il est là, faut l'appeler. Il n'est pas là. Il est sur son chantier là-bas. Son chantier? Oui, je suis sa première femme là. Ah, d'accord. Mais c'est pas loin. Viens t'accompagner. Ok, d'accord. Viens ranger ça là. Donc je t'attends devant. Ok, ok. Eh, hey, Fatou. Toi, c'est certainement Sandra. Et toi, merci. C'est ça. Bienvenue chez moi. Ça va? C'est toi. Viens à bout, c'est moi. C'est toi, mon petit Traoré. C'est ton petit Traoré, le vieux. C'est vraiment toi. C'est moi, le vieux. C'est pas vrai. Le vieux, comment tu vas? Mon petit. Oui. Ça fait le temps de... Je suis là, papa. Comme t'as grossi. Il a fait comment, le vieux? Et la famille? La famille, ça va. Dieu merci. Mais le vieux, par contre, toi, tu me dis pas la vérité. Hein. Quoi ça encore, mon petit? Mais tu es trop en forme pour ton âge. Oh, mon petit, dis quand même. C'est pas moi. C'est grâce à Dieu. Ah, là, à vraiment, toi, ça va chez vous. Ça, c'est vrai aussi. Enfin, le fort pour être. À toi pour se maintenir. D'accord, okay, merci. Je passais dans le quartier là. Je me suis dit, mais attends, pourquoi ne pas aller saluer le beau-père de mon ami? Ça fait un bail quand même. En tout cas, ça fait un bail. Hein? Mon petit. Oui. Merci beaucoup de penser toujours à moi. Il n'y a pas de colis. Ah, merci. Pas de colis. Et les affaires? Les affaires, ça va. Ça va. Tu sais, le vieux, actuellement, la Côte d'Ivoire est devenue une terre d'opportunités. C'est ça. Nous, les jeunes, on saisit pour nous. Bon, il faut saisir. Hein. Effectivement. Tu t'as laissé, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon, les vieux. Hey, mon petit Traoré. Ah, non, mais vieux, en direct, tu ne me dis pas tout. Hein. Comment ça? Le vieux, tu gères un vrai chantier. Il y a tout ça. Ça, c'est un du chantier, le vieux Abou. Donne-nous ton secret, pardon. Oh. Comment tu fais, vieux Abou? Ah oui, mais, mon petit, tu as raison. Ça, c'est vrai. C'est grâce à Allah. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mon petit, mm-hmm. C'est pour ça que je ne dois pas. Ah oui. Je fais des efforts pour monter ça. Chop, chop. Je le fais chop, chop. Ça c'est vrai. Il ne faut pas tirer sur le terrain. Rapidement, quitte ici, puis on s'en va. Mais c'est vieux. Oui. Tu as dit quelque chose, hein. C'est grâce à Allah. Oui, grâce à Allah. Allah est grand. Hein.
en tout cas. Mais toi, vieux, tu n'es pas petit. Et... chantez ça, la vie. Tu n'es pas petit l'homme. Voilà, tu n'es pas petit l'homme. Viens, mon. Oui. Je suis trop content. Non, vraiment content. Mais c'est toujours passé à moi. Mon petit Traoré. Oui, vieux. Bon, je ne crois pas ton programme. Je suis là, Olivier. Mais si tu veux, on va aller visiter mon chantier. Olivier, pas dit ça deux fois. Je te suis. C'est pour ça que je suis là. Je te suis. Alors. Allons-y, mon petit. Allons, le vieux. Mon petit Traoré. Ce n'était pas facile, je t'assure. Je suis arrivé en plein hiver, tu imagines? Moi, je crois que c'est toi qui as eu de la chance. Tiens, je suis arrivée à la fin de l'été. J'étais contente. Mais quand l'hiver est arrivé, merde, je pleurais comme un bébé. Et toi, merci. L'hiver, je connaissais déjà. J'ai fait le secondaire à Londres. Mais j'avoue qu'ici, c'est plus rude quand même. J'avoue. Bien. Je sais pas où les toilettes. C'est par ici. Viens, je te montre. Tu sais que je t'ai trouvé très bien. Je me souviens quand j'étais à Londres. J'avais rencontré. Daniel, tu viens. Ok. Hello, Moto. Chérie, je suis dehors. Allô? Oui, mon frère. Oui, Mogo. Alors, tu étais chez le vieux? Oui, j'étais chez lui. Il se porte bien. Dis-moi, il y a quoi? Oh, en réalité, depuis quelque temps, Alice suit des soins là. Je t'avoue que ça nous coûte quand même un bras. Ah là, ça sent pas bon, hein? Bon, disons que elle ressent de douleur dans le dos là. Et elle a un kiné pour ça. Seulement que l'autre jour, je suis tombé sur des envois d'argent santé. Tu parles. Et le comble, c'est que le montant des envois correspond non seulement aux dates des soins, mais aussi au montant des soins. Allô? Tu es là? Oui, oui, je suis là. Je suis là, je t'écoute. Au fait, j'étais chez le père de Fatou. Il se porte très bien. Et ce qui se porte encore mieux chez lui, c'est son chantier. Mon Dieu. Attends, ne quitte pas. Je t'envoie la photo, ne quitte pas. Voilà, c'est fait. C'est fait. Tu as reçu? Allô? Allô? Allô?
Action. Merci en tout cas pour la soirée. Ben merci à vous. J'avais quasiment oublié que de vie après la job. Ben la vie n'est pas que le boulot. Bonne soirée. Bye. En parlant de job, c'est comment de ton côté? C'était un statu quo. Je crois que la tempête est passée. Tu penses que c'est une bonne idée? Je vais dire avec tes collègues. Elles ne sont pas là, t'inquiète. Moi, c'est débat. Tu avais tout prévu, hein? Mes enfants! Et maman! Il est l'heure d'aller se coucher. Ok. On fait un câlin, maman. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma princesse. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, champion. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, ma fille. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, champion. Bonne nuit. On fait des beaux rêves. Merci, papa. Vous aussi. Merci. Quoi, ça va? Non, ça ne va pas. Et qu'est-ce qu'il y a? Ça va ton traitement? Ça va? Ça va? Encore quelques mois de traitement et ça va aller. Et tu es sûr que tu n'as rien à me dire à ce sujet? Non. Je vois pas ce que je vais te dire. Écoute, Gilles, tu m'effrayes. Alice, pourquoi tu me fais ça? Je ne comprends pas. Tout correspond? Chaque date, chaque montant correspond aux sommes retirées pour ton soi-disant traitement. Mon père est Arrête malade. Il n'est pas malade. Il se porte même plutôt très bien. Et son chantier aussi. Gilles, tout ce que j'ai fait, c'est pour notre bien. C'est pour le bien de nos enfants. C'est pour garantir l'avenir de nos enfants, Gilles. Et en plus, je devais te faire une surprise. Non, tu n'allais rien faire. Les meubles au nom de ton père. Et crois-moi, j'ai pris le temps de mener ma petite enquête. Qu'est-ce que tu vas faire? En ce qui me concerne, tu peux dire à ton père que le robinet est fermé. Je vais demander le divorce. Non, Gilles. Non, ne fais pas ça. Tu as intérêt à coopérer, à ne pas faire de vagues. Et tout se passera bien. Pourquoi, mon Dieu? Ah.
Salut, beau gosse. Salut. T'as si soif que ça, hein? Ça se voit, non? Ça dépend de ce que tu donnes soif. Écoute, merci. Tu es une très belle fille, mais je... Qui te parle de copain-copine? On est adultes, non? Je ne te demande pas de m'épouser. Donc relax. Allez, John, viens, on y va. Papa, attends un peu, je vais encore m'amuser un peu. John, viens, on y va. Allô, bonjour. Je voulais signaler une panne sur la rue 285 Belmont Street. Oui, si vous pouvez envoyer un dépanneur. Merci, bye. Tu me fixes comme ça. J'ai très envie de... graver les moindres traits de ton visage dans mon âme. Tu es tellement belle. Qui te parle de copain-copine? On est adultes. Je ne te demande pas de m'épouser. Donc relax. Oh, président Daniel, le benguiste. J'ai vu ta photo l'autre jour sur Facebook. Gars, tu es high bien fait. Gars, tu as mis moi-même 200 000 là, non?
Voici ma sœur à côté de moi, il te salue. Il veut seulement 50 000 paix. Mon fils, j'ai toujours été fier de toi et je voudrais que tu gardes ce bon comportement. Comme tu parles, prends bien soin de toi et travaille dur, car c'est comme ça que tu pourras construire ton avenir et mettre à l'aise ta femme et tes enfants. Hey, salut, ça va? Ça va. C'est moi qui te demandais si ça va. Tu ne sors plus de ta chambre ou quoi? Je prépare un examen. J'ai pas intérêt à me planter. Je comprends. Bonne chance. Merci. Et Daniel, ça fait un bail? Bah, ça va. Un problème entre vous? Pas entre nous. Il a quelques soucis au travail. Du coup, on se voit difficilement. Ça fait quelques jours, on ne s'est pas vu. Bof, c'est pas cool. Juste, laisse-lui un peu de temps. Il va réapparaître. June, viens manger. Finis de manger et puis tu as fait un beau dessin à maman, tu as compris?